Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, c'était la dernière fois d'un World Food de Company of Heroes Opposing Front, et plus précisément la campagne de libération de Caen. On avait commencé la reprise de la ville de Caen avec la 6ème mission. Cette fois-ci, nous allons continuer dans cette 7ème mission qui s'intitule Caen, le Creuset. Les meilleurs éléments de la 12ème division SS sont abandonnés Caen, mais il reste encore quelques poches d'opposition ayant pour but de retarder les forces alliées. Le 3ème bataillon doit frapper au cœur de la ville et éliminer toute résistance. Bon, on y va tout de suite. Hein. Je commence à en avoir marre que je crache à chaque fois. Hein. Faut pas vous mentir. C'est la 4ème fois que je recommence cette vidéo. Mais bon. Et j'ai pas envie de couper le chargement parce que à chaque fois ça a fait planter le jeu. Donc je m'en excuse de vous laisser ce temps de chargement. Donc cette mission là, c'est la 2ème qui se passera quand sur les 3 qui devraient se passer. Bon, je vous spoil déjà la suite, mais voilà, c'est pour vous dire que ce que vous ferez dans cette mission peut impacter dans la mission suivante. Donc faites bien attention à ce que vous faites, c'est un conseil personnel, et vous pourrez très vite comprendre pourquoi il faut faire attention à ce que vous faites. Donc, petit rappel de la mission précédente. D'accord, je suis à 0 image par seconde, mais ça continue de charger. Petit rappel de la mission précédente, nous avions éliminé toutes les défenses périphériques de Caen. Cette fois-ci, nous allons rentrer plus profondément dans la ville pour la reprendre. Caen n'est pas sécurisé. Je répète, Caen n'est pas sécurisé. On rencontre une forte résistance. Terminé. Major, d'après les premiers rapports, les Fritz n'ont pas encore abandonné Caen. Des éléments de la 25e division blindée ont laissé leur arrière-garde pour ralentir notre progression. Préparez-vous à rencontrer des fantassins avec des mitrailleuses et des armes anti-chars dans cette zone. Cependant, les gravats et l'étroitesse des rues vont nous obliger à avancer prudemment. Les obstacles et les champs de mines vont conduire nos chars dans des pièges mortels. Les Fritz ne vont pas abandonner Caen facilement. Le 3ème bataillon a pour ordre d'éliminer les derniers ennemis et de sécuriser les objectifs suivants. Envoyez nos blindés éliminer ces forces ennemies. On a des Churchill à notre disposition, alors envoyez-les tout de suite sur le front. Je veux que l'infanterie protège nos chars et que des sapeurs les accompagnent pour désamorcer les mines. Si les Boches refusent d'abandonner Caen, on les enterrera sous les gravats. Beau travail, les gars. Profitez-en pour souffler un peu, les gars. Ce bon vieux Bailey est retourné au PC pour avoir des instructions. Je parie que Blackmore va encore lui donner une putain de mission pour nous. Caporal Degnan, organisez une réunion et transmettez les ordres. Des sections de fusiliers et de sapeurs seront nécessaires pour nettoyer. Des blindés vous appuieront. Les Fritz savent sûrement que nous arrivons. Alors attendez-vous à trouver des mines et des positions anti-chars. D'aides au PC et de l'infanterie de déployer des sapeurs. Compris? C'est tout à fait clair. Allez, bande de feignants. On doit aller faire du ménage. Les Boches sont tranchés et refusent de partir. Ils ont aussi truffé la zone de mines et d'autres saloperies. Alors, si vous n'avez pas envie de finir en bouillie, vous avez intérêt à garder nos sapeurs en vie. Les blindés du 3ème bataillon seront là pour nous appuyer. Et dans ces rues étroites, il faudra les protéger des sections anti-chars. Pour couronner le tout, il y a des tireurs d'élite qui essaieront de vous renvoyer au pays les pieds devant. Gardez votre sang-froid et faites pas tout foirer. On attend votre signal, chef. Bon, voilà, enfin je peux contrer mes troupes sans qu'il y ait trop de paroles. Bon,
Vous voyez qu'on a déjà récupéré toutes nos troupes de la mission précédente. Nous sommes prêts à avancer. Je vais faire une décision bon, que certaines personnes comprendront, dont d'autres la comprendront plus tard. C'est que les unités avec des lance-grenades ne vont plus m'être utiles. En fait. J'aurai besoin pour une mission suivante, pour la mission suivante, pour dire, ouais, plutôt d'unités entre guillemets standard. Quand je dis entre guillemets standard, c'est des unités avec fusil mitrailleur. Mais par contre, je vais conserver tout lié lieutenant. Ça, par contre, c'est non discutable. Il vous faut vos lieutenants pour la mission suivante. Même de manière générale, il faut les conserver, étant donné que c'est vraiment exceptionnel d'en avoir autant. Camarades, les Allemands sont prêts. Les gars sont prêts. Notre histoire. Restez baissés. Restez baissés. Allez-y, prêts. Allez-y, reçu. Les officiers signalent la destruction d'une cible. Comment ça se... Normalement, ils doivent faire sauter. On peut y aller. Allez, grenade. Continuez de tirer. C'est pas grave. Bon, il vous faut vos sapeurs. On va laisser un lieutenant avec eux. Voilà. Je vais garder toujours mes sapeurs à côté pour pouvoir réparer mes blindés. Bon. Alors, votre objectif secondaire est de faire taire la propagande, c'est-à-dire éliminer tous les officiers. C'est pas plus compliqué que ça, c'est qu'ils sont là. Tout se perdu, c'est pas grave. On va faire déjà. Parce que je vous explique en fait le... qu'est-ce que font ces officiers de la propagande. Il me faut rapidement le A. C'est indispensable. Les officiers de la propagande. L'officier de la propagande va sortir, mais avec des troupes en fait. En plus. Les troupes en plus. C'est de manière générale gênant. À peine que tu bouges. Et quand je dis des troupes en plus, c'est les sections là que vous voyez, qui est considérée, la section d'assaut est considérée comme la meilleure infanterie du jeu. Parce que c'est celle en fait la plus polyvalente. Elle peut faire face aux blindés, elle peut faire face à l'infanterie efficacement. C'est l'infanterie en fait polyvalente la plus efficace du jeu. On croirait combattre dans les rues de Glasgow. Est-ce que je fais ma technique que je pensais? Ouais, ouais. Bon, je sais, parfois je pars tout seul. Je vous explique ce qui va se passer. C'est que nous n'allons pas traverser. Ça sert à rien de traverser le pont avant déjà d'avoir neutralisé entièrement votre côté. Char léger a été détruit lors de cette dernière escarmouche. Ah, tout simplement. Ensuite, vos Churchill seront votre arme incontournable. Mais vraiment incontournable, donc vous utilisez un peu pour tout. Deuxième raison aussi de ne pas traverser ce pont tout de suite. Un canon de 88 protège le pont de gauche. Et vous savez qu'un canon de 88 fait un peu de dégâts quand même sur les véhicules. Donc pour éviter de
de perdre trop de troupes au début contre ce clan 88, tu préfères l'ignorer. Ça devrait faire ça. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Les gars, vous avez deux solutions. Soit vous commencez d'un... Bon. Tant pis, juste sur une mine. Bon, comme je veux dire, soit vous commencez directement là pour vite rusher les véhicules qui ont amélioré, donc avoir plus de ressources. Moi, je vous conseille plutôt d'attendre et d'aller directement chercher Le Havre. C'est dans cette mission, Le Havre, c'est la vie. Quand je dis c'est la vie, c'est vraiment la vie. Parce que Le Havre, bon, je vous avais déjà présenté ça, c'était de mémoire qu'on a dû prendre la Queen 112. Le Havre nous était indispensable pour faire sauter position ennemie et les obstacles entre guillemets indestructibles. Là, ce que nous avons besoin de faire, c'est que les ponts sont extrêmement fragiles. Et vous constatez qu'il y a un pont là, là, là et là. Et le Havre fait beaucoup de dégâts au pont. De mémoire, il faut un ou deux tirs pour faire sauter un pont. Donc je vous laisse imaginer quand vous déployez un Havre et qu'il n'y a pas d'ennemi sur un pont. Comment parfois ça peut être facile de... Les officiers signalent la destruction de neutraliser les troupes ennemies. Je fais. Après, il faut aussi que je vous explique pourquoi je fais des croix. Les croix me seront indispensables en fait pour. On va dire un peu la doctrine d'attaque éclair. Allez-y, transmettez ce foutu message. Je suis prêt. Allez-y. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Que c'est ce qui ressemble plus quand même à... Ouais. Je replie. Bon, il y a des mines, tout ça. Bon, ça va être assez embêtant, je vais pas vous mentir. Au pire, vous déployez une escouade de... De sapeurs. Et les rues tout autour, chef. On se relâche pas, les gars! AVR disponible. Lancez ce char lourd dans la bataille. Rejoins la position. Ouais, parfait. Outils, les gars. On s'y rend tout de suite, chef. Voilà, je parlais du AVR justement. Bon, bah, finalement, on va changer un peu notre plan. Parce que nous allons tout de suite neutraliser l'autre côté du pont. Parce que c'est vraiment plus gênant que. Non. Allez, on va quand même faire ça normalement. Là, honnêtement, je pourrais le faire. Je pourrais le faire parce que j'ai 3 Crowell, un char de commandement, 2 chars Churchill lance-flammes. Honnêtement, là, vous pouvez directement traverser. Mais c'est pas forcément la meilleure solution de traverser tout de suite. Comment ça se fait que ça saute sur nous? Moi, j'ai un truc anti-mine. Une unité ennemie a été neutralisée. En tout cas. Yep. Voilà. Unité ennemie. Bon, il faut déjà que j'aille réparer tout ça. Voilà. Et nous. Bon, finalement. Ouais. Bon. Nos troupes peuvent maintenant fortifier les positions défensives. Accrochez-vous, les gars. Position. Gagnez cette putain de position. Je vais faire ça non pas parce que c'est mieux. Mais simplement parce que j'ai besoin en fait de chercher Le Havre pour des ponts et vu qu'il m'en offre un, ça sert à rien que je dépense des points de commandement là-dessus alors qu'il pourrait m'être utile ailleurs. Un
Pulsar a été anéanti dans le dernier combat pour la destruction d'une cible allemande. Ne les pourchassez pas! Ils veulent vous attirer dans un piège! Vous gagnez cette position! Ils se cachent à la campagne! Chat, au rapport! Soldats, on attend les ordres. Bon, on va soigner le lieutenant qui a subi des dégâts. Unité de combat prête! Les hommes sont position repérée. Et lui va remonter là-haut. Cible détruite! On attend votre ordre avec moi. Faut se manier de réparer ça, soldat. Ça c'est bon. Occupez-vous de cet équipement, les gars. Envoyez leur père ou leur frère de réparer ça, soldat. Dans un pays étranger. Transmettez votre message. Bon, nous allons rassembler nos croyants là-haut. On met la gomme. On s'y rend tout de suite, chef. Pour la suite. Et nous devons encore réparer nos Churchill, bien évidemment. Ils aiment bien être toujours endommagés. Les gars désirent se battre. Quels sont les ordres? Oui, chef. Le QG blindé est prêt. Ici, le PC de soutien. Ouais. Allons-y, faisons un dernier crevel. Soyons fous. Quels sont les ordres? Pire des cas, je les ferai sauter si j'en ai trois. On peut passer à l'action? Coordonnées, ok. Quelle est notre destination? La position. Mon lieutenant va tenter de capturer ce point. Que normalement, ici il y a un mortier. Ah non, il y a encore un mortier qui peut me canarder de là à là. Je vais essayer de trouver des boches. Bon. Mettez-vous à l'ouvert, les gars. Déplacez-vous, l'autre. Ça peut faire un peu. Allez, fais-moi avancer. On y va. Système de communication, on s'y rend tout de suite, chef. Équipage, on bouge tout sur le char. Allez, vitesse maximale. Bon, honnêtement, niveau ressources, vous voyez, déjà que j'en ai économisé beaucoup dans la mission précédente. J'aimerais bien qu'il me répare. Vous voyez que niveau ressources, ça va. Bon, point d'effectif, je suis un peu short. On va pas le nier. Mais c'est que quelques points, on va dire. Équipage en route. Niveau munitions, je suis bon. Niveau carburant, j'ai le stock qu'il faut pour tenir un moment. Accrochez-vous, les gars. On se met en route, chef. Notre histoire. On avance. Soyez vigilants, les gars. Sont liés. On change de position. Donc, il n'y a pas trop à craindre. Il faut se rappeler que ça coûte quand même 35 de munitions. Et vous voyez, vu ce que je gagne en munitions, je pourrai en utiliser quasiment 2 par minute. Donc, voilà. C'est une des raisons pourquoi j'économise vraiment beaucoup mes munitions. C'est pour pouvoir faire sauter les ponts. Tout simplement. Bon, il faut. Les Boches sont en train de renforcer leur défense. Ouais, bah c'est pas une raison de foncer dans le tas aussi, hein. Voilà, j'ai un Churchill de réparer, on peut le renvoyer. Moi de toute façon j'agis toujours comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, y aller directement. Moi j'ai envie de dire, la prudence est, mère de est la meilleure des vertus. Très bien, Churchill en route. Le moteur est touché. Ouais, je comprends pas pourquoi ils pètent en fait les mines quand je vois mes chars dessus. Quels sont les ordres? Ne faites pas les sales boulots pour des aristocrates. Bon, là je m'en doutais qu'il y avait une mine, vous avez vu, il y a 4 drapeaux, 4 panneaux d'indication qu'il y avait une mine. De manière générale, vous pouvez voir toutes les mines comme ça. Voilà, ça c'est bon. Bon, par contre j'ai du mal à comprendre quand même pourquoi ils minent endommagent mes Churchill, étant donné qu'ils ont encore ce genre recul dedans, je comprendrais, mais là je vais frontalement avec mon les officiers signalent pour déminer d'une cible allemande. Donc je vois pas pourquoi ça explose en fait. Toujours tout dire.
Et toujours orienter ce char face aux ennemis. Pour justement profiter du lance-flamme. Alors une autre technique, c'est au lieu de passer par le pont là, il faut passer par le sud. Bon, j'aime pas cette technique là. Les officiers de signal leur détention d'assez également. Bon, ils opèrent en même temps. J'aime pas cette technique pour la simple bonne raison que c'est... Ici, il y a un objectif secondaire en fait. Et faire ce détour-là, vous pouvez le faire, moi je ne nie pas. Mais tomber sur plein d'infanterie qui bloque vos véhicules... Moi je trouve ça moyen quand même. Bon, ici il y a des mines. Vous voyez, ceci indique des mines. Un autre groupe de combat de la compagnie Charlie est arrivé. Il sort de ces putains de ravages. Une cible allemande a été détruite. Un autre groupe de combat de la compagnie Charlie est arrivé. Soldats, je vais essayer de trouver des bâches. Fais un détecteur. Ah d'accord, il peut pas écraser l'arbre. Ah ça par contre c'est fort. Il peut pas écraser un arbre quand même. Objectif pointé. Blindé ennemi, où sont nos sections anti-char? Vous n'avez rien à craindre de ce blindé, je vais pas vous mentir. Pourquoi il marche pas mon lance-flamme? Bon. N'ayez trop crainte quand même de cette blindée, mettez en position de défilement et c'est rare tout ça. Je dire que j'ai échoué. Il y a un sniper quelque part. Oh là 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 là, j'avais oublié tous les panthères. Alors, par contre, ça c'est fort par contre. Bon. Je viens d'apprendre une chose en fait. Je savais pas qu'ils avaient mis ça comme mise à jour. Bon, je viens, ça. Je viens de la comprendre. C'est que tous vos sapeurs hors zone que vous contrôlez se déplacent moins vite. Apparemment. Ça, je ne le savais pas. Bon, certaines personnes qu'on arrête de faire des Firefly. On est prêt à foncer. Pas de contact. Cible sous contrôle. Les renforts de la compagnie C sont là. Utilisez-les. Bon, pour avoir accès aux renforts, il faut que vous ayez de la place dans la population. Informez le bataillon qu'on se déplace. Vous constatez que moi je suis un peu à court de place. Allez, j'attends vos ordres. Préparez le canon principal. Voilà. Le bataillon des services a amélioré notre fusil mobile. Ils sortent du sol. On se retranche. On va tous se retrancher. On est dans une zone dangereuse. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Oui, normalement je crois que vous pouvez avoir des Firefly en renfort. Des chars comme ça que vous avez en renfort. Je ne veux pas vous mentir. Ça sert à rien. Par contre, je vais faire volontairement sauter quelques mines sur ce char.
Si j'arrive pas à aller zangler de manière traditionnelle, c'est gênant. Ils sortent de ces putains de gravats. Orientez la mitrailleuse coaxiale, allez. Voilà. Vous pouvez parler, chef. Le marché après l'équipage. Allez, c'est trop moins d'attaquer. Allez, 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 cramouille prêt. Compris, on se met en route. Ici, le colonel. Voilà, allez. Ne les pourchassez pas. Ils veulent vous attirer dans un coin. À la position. Équipage prêt. Bon. La mission elle-même n'est pas dure. Hein. Vous voyez, c'est... Char en déplacement. On essuie les tirs. Pendant que vous cachez votre vie, c'est là. Oh là là, ça par contre, c'était pas prévu du tout. Nous sommes prêts à avancer. Le capitaine veut qu'on approche de cette position. Le capitaine accepterait de les gars. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. J'ai totalement oublié en fait qu'ils aient un base principal. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. Possible à tout foutre les moteurs à fond, ça m'arrangerait. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. On avance. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. Par contre, ce qui est vraiment étrange, c'est que c'est normalement ça devrait faire des dégâts au véhicule, mais j'en vois pas. Les Boches attaquent un de nos secteurs avancés. Oui, chef. Prêt à intervenir, pilote. Oh, il y avait encore une mine. Les oui, forces chef. Allemandes essaient de déborder un de nos secteurs. Ah, bah voilà, enfin, il a... Sapeur prêt à avancer. Vous pouvez parler, chef. L'un de nos secteurs bon, sécurisés. Je vais pas vous mentir, avec cette unité là, j'ai capturé tout ce qui reste. Les renforts de la compagnie C sont là. Utilisez-les. Ouais. Les renforts de la compagnie C sont là. Utilisez-les. On a le choix. Vous pouvez parler, chef. Transmettez votre message. Allez-y, à fond. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. Oui, chef. Quels sont les ordres ? Ici, le Cromwell, le prix possible. L'un de nos secteurs sécurisés a été attaqué. Neutralisé. Évitez bien les ordres. Évitez bien les ordres. Les Boches attaquent un de nos secteurs avancés. Transmettez votre message. Je l'ai attaqué. Dépêchez-vous. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. Voilà. Bientôt détruit. Les forces allemandes essaient de dégager un de nos secteurs. Radio, transmets ce message. Cours sécurisé. On avance vers l'objectif suivant. Un autre groupe de combat de la compagnie Charlie est arrivé. On trouve un véhicule pour transporter la brèle. Non. Bon ben, je peux pas faire objectif secondaire. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. Parce que l'avion ne devait pas arriver aussitôt. Là, je ne peux plus arrêter en fait. Cet objectif secondaire, je ne pourrais pas réaliser, donc je m'en excuse. Parce que la technique, c'est simple, vous capturez déjà tout le tour. Bon, ça, je pense que vous avez déjà compris. Et une fois que vous avez capturé tout le tour. Non, mais là, oh, merci. Voilà, j'ai perdu un char, génial. Bien qu'il y ait une raison que j'y aille pas. J'étais sûr que c'était ça, mais bon. Churchill Mark 4 sont à présent sous notre commandement. J'ai pas le choix, je dois foncer là-haut. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Faut éviter que tous les camions s'échappent en fait. Allez-y, parlez.
Bon, de mémoire, objectif secondaire, c'est il faut détruire. Il faut éviter qu'il y ait 5 camions qui s'échappent et détruire des pots avant. Utilisez le speedgun, les gars. Churchill prêt à y aller. Je sais pas pourquoi ça marche pas là. Non, me dites pas qu'ils ont corrigé ça. Oh non. Bon. Je crois qu'ils ont corrigé un truc. Là, par contre, s'ils ont corrigé, ça va vite m'énerver. Churchill au rapport, chef. Ont-ils envoyé un tir sur ses cibles? L'allemande a été détruite. Je préviens que vous voulez savoir ce que je parlais. Camion de ravitaillement détruit. Rends-moi le rapport, j'ai oublié cette munition. C'est que, avant de faire la coupure, je vous explique. C'est que normalement, le pont A est destructible. Mais apparemment, je ne peux pas le détruire. Je ne sais pas pourquoi. Canal réglé, on vous écrit bien. Allez, très bien. Bon, on va faire avec. Mais de toute façon, on a notre coupure à faire. Ça fait 30 minutes. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette première partie, donc, et je vous dis à tout de suite dans la seconde partie de cette vidéo.